L'aide sociale ici, elle n'est pas démesurée, mais elle tient compte de l'existence à Lille d'une population encore très, très, très sous-développée et beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'être aidées. C'est de cette manière-là que nous faisons l'effort sur le plan social. Et nous aidons le bureau d'aide sociale. Nous le subventionnons, non pas pour donner des colis, mais pour construire des pavillons pour personnes âgées. Figurez-vous que la dernière création que nous avons faite, la dernière réalisation, qu'on appelle la résidence des Moulins, eh bien, les ménages et les personnes seules sont logées d'une manière absolument satisfaisante, confort. On y a même installé le téléphone dans chaque maison. On reproche parfois à l'actuelle municipalité de distribuer des colis, de faire de l'aide sociale. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en passer de l'aide sociale dans cette région? C'est absolument impossible. Nous avons le devoir de n'oublier aucun de ceux qui, dans la société actuelle, sont en difficulté. Je pense aux personnes âgées, je pense aux handicapés, je pense aux familles modestes, je pense aux jeunes. Par conséquent, on ne peut pas se passer d'une telle action. Ce qu'il faut faire également, ce qu'il faut faire à côté, c'est tout mettre en œuvre pour que ces situations soient le moins nombreuses possible et qu'en réalité chacun soit à part entière dans une cité heureuse. C'est ça mon idée. Et il faut dire que la ville de Lille paie très durement les conséquences de la politique gouvernementale, dont il ne faut pas oublier que M. Artoli est un des ministres et député de Lille. À Lille, comme dans le département du Nord, c'est la crise de l'emploi. Il y a près de 10 000 demandeurs d'emploi ici à Lille et 40 000 dans le Nord. C'est la crise du logement, conséquence également de la politique gouvernementale. Il y a ici à l'office municipal de Lille près de 9 000 inscrits. Les grands équipements sociaux de la ville de Lille sont quasi inexistants. Le cinquième plan a été réalisé dans le département du Nord à peine à 50%. Le sixième plan ne sera du reste qu'un plan de rattrapage du cinquième plan dans le département du Nord. Les impôts augmentent d'année en année, patentes, cotes mobilières, conséquence des charges que le gouvernement impose aux communes. Cela, c'est la responsabilité du gouvernement. Et d'Artoli, ce que nous critiquons, c'est le fait qu'une alliance de socialistes et de gens qui soutiennent, de partis qui soutiennent la politique gouvernementale, ne peut pas mener une campagne efficace pour changer une telle situation. Eh bien, j'ai l'ambition pour le Nord, j'ai l'ambition pour la métropole d'aider à ce que cette région et cette ville tirent le maximum de leurs atouts et de leurs chances. Et je pense d'abord à Lille, parce qu'à Lille, je souhaiterais voir s'améliorer le cadre de vie, voir se développer les moyens du bonheur, si vous permettez, dans la cité. Ceci est un premier objectif. Et ça passe bien entendu par toute une série d'actions au niveau municipal. C'est une série d'équipements, c'est toute une activité sanitaire, sociale que je crois il faut poursuivre. Et puis à côté de cela, je pense que nous avons besoin de donner un support à notre jeunesse et un support à notre avenir. Je crois que si nous disons qu'on peut faire quelque chose de très grand du Nord, il y faut une métropole vigoureuse. Il faut créer des infrastructures, il faut mettre en place de nouveaux moyens qui fassent qu'il y ait plus d'emplois, des emplois mieux rémunérés, un accroissement des revenus. Mais si Lille et sa région ont des difficultés, ce n'est peut-être pas uniquement de la faute de l'actuelle municipalité, peut-être que le gouvernement a une part de responsabilité là-dedans. Non, chacun sait bien ce qui s'est passé. Il s'est passé que cette région est une vieille région industrielle, et puis elle a eu la série des problèmes qu'on connaît, mais il se passe aussi que depuis un certain nombre d'années, des gens dont je suis se battent pour lui redonner toutes ses chances. Et je crois que le climat y a changé. Notre position est d'autant plus justifiée que ces mêmes hommes des indépendants viennent de se réunir à Arras en congrès régional et des hommes qui seront sur la liste d'Augustin Laurent ont indiqué que leur mot d'ordre essentiel était de battre les communistes. Nous trouverons du reste ces mêmes indépendants sur la liste Artoli. Ainsi, sur les deux listes, le mot d'ordre de ces hommes, eh bien, ce sera de battre les communistes. Il n'est pas possible dans ces conditions que nous désistions au second tour
pour une liste qui sera conduite par les socialistes, mais qui comprendra de tels réactionnaires. C'est une liste de gauche. Les indépendants qui sont sur votre liste ne sont pas des gens de droite ? Ce ne sont pas des gens de droite, ils sont avec moi dans la municipalité depuis 12 ans. Je n'ai jamais eu de problème politique avec mes partenaires indépendants qui ont toujours accepté les positions que nous avons prises ici, même quand elles avaient un caractère politique. Vous ne seriez pas un peu anticommuniste tout de même ? Je ne suis pas du tout anticommuniste, il y a que je n'approuve pas la politique du Parti communiste, je ne suis pas d'accord, je suis un socialiste démocrate, je suis pour le socialisme et liberté. C'est Prague qui vous est resté. Oh, ben, Prague a fait chez moi une très, 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 très impression douloureuse.